mon réveil a pas sonné, je suis grave en retard. Tu manges pas le matin, ton zizi grandira jamais. Écoute, Malo, moi aussi je suis en retard, on est tous en retard. Maman ! Il faut que t'apprennes à te responsabiliser, mon grand. 34, 35, 39. Ah, c'est tout ! Putain, Simone, elle sort sa tête sous la porte ! Tu fais quoi, là ? Je priais, Simone. Faut que ça change, Stéphane. Il faut qu'on soit des mecs en place. Comme ce petit Raphaël Berthelot. Le mec, il chope une correspondante espagnole avec des nichons énormes, tu vois. Changement de vie, relooking extrême, ascenseur social, réputation mythique. Il faut grave un correspondant. Gars, mit grossen nichonen. Quoi ? Et moi, j'ai un serpent. Merci, Malou. Et voici Sacha Bruggen. Je suis sûr que vous allez être les meilleurs amis du monde. Un correspondant, qu'est-ce que c'est ? Et c'est qui, la Gothique, qui boit la bière ? Je te présente Sacha. Règle A, on doit devenir camarade avec son correspondant. Je te préviens, toi tu dors par terre. Règle B, partagez avec votre correspondant vos hobbies, vos loisirs. Je savais pas que t'étais une blogueuse. La vengeance est un plat qui se mange froid. Quoi, tu parles français toi ? Et cette fois, compte pas sur les Américains pour sauver ton petit cul de Françoise. Super, l'effet correspondant commence à se faire sentir. La vengeance, ça se boit chaud aussi. Maintenant, je vis nos commandes, ok ? Le chief ! Tu veux devenir populaire ? Bah oui. Je veux devenir populaire. C'est bon. Je veux devenir populaire. Ferme ta gueule. T'as pas vu Sacha ? Mais qu'est-ce que tu lui as fait ? Rien ! 4 heures de call samedi matin ! Tu reviens avec moi ! Chérie, on a un gros problème avec la petite Bosch. T'as pas pu faire l'espagnol, toi ? Prost ? Non.